Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming pour un nouvel épisode de Chaos Gate. Let's go la bagarre, épisode 2. Y'a d'autres trucs à cet endroit? Non, y'a rien d'autre. Est-ce qu'on peut aller là? Est-ce qu'on peut aller se bagarrer? Déplacement, let's go. Voyage en Loire, tranquille. We cannot afford to sit on our hands while the bloom spreads unchallenged. Nous allons devoir donc coordonner judicieusement nos efforts pour repousser cette peste. Ah, va falloir éliminer tous les ennemis. Ça a l'air d'être du même acabit, hein. Ah, ça coûte 20%, ça va vite quand même. Expiré? Ah ouais, d'accord. Attends, parce que ici il me dit qu'il y a un truc là, mais je peux pas y aller. Je comprends rien. Va là-bas. This Poxwalker was one of the Imperial faithful, afflicted with a strain of mutagenic virus. There is no doubt we are dealing with the work of the plague god Nurgle. This must be the bloom whispered of in those astropathic fragments. Within the carcass, I found a germ of some ancient power corrupted with a foul psychic resonance. This seed is used to spread the virus. Of that, I am certain. But it arrived to me damaged, and there is little else I can learn from it. In order to study how we might fight this plague, I must acquire one of these seeds completely intact. I can instruct your brothers on how to extract these specimens properly. Please ensure they pay attention. The Emperor loathes indolence. Let's not disappoint him. This is Inquisitor Kartha Vakir of the Ordo Malleus. I am alumnus of Evixia Danica. Access code, Clarion Magenta, 11-17-21. I require immediate response from Titan. This. Grandmaster, I have commandeered the Baleful Edict. We face... You have seized a Grey Knight strike cruiser. As is my right, I have foreseen dire omens for this sector. Already Nurgle's Poxwalkers roam free. Oh, indeed. I'm surprised an agent of your pedigree is not equipped to deal with such lesser threats of chaos. Agravain, perhaps you can clear up this nonsense for me. My lord, he fell in battle during our last campaign against the Cadium cult. We had been returning to Titan for repairs when this Inquisitor intervened. Ah, Brother Ektar, that is sorry news. I trust then that you have appointed one of our brothers to act in his stead. Well, speak up then, Commander! What say you to this Inquisitor's story? Parlons de la graine de l'Intriguing. However, the galaxy is full of unsolved mysteries. I am confident these Poxwalkers are the symptom of a much greater cancer. I only need a little time to conduct further research. Very well. I am not in the habit of second-guessing those under my command. That is, until given a good reason. I will leave the Baleful Edict in your care. You have my thanks, Grandmaster, but there is yet another reason I desire to speak with you. As steward of the Armory of Titan, I had hoped you could release further assistance. Don't thank me yet. I will give you 60 Tertaean solar days to prove this threat warrants the deployment of an entire strike force. Battle-worn as it is, Strike Force Xyphos could be put to good use in several campaigns across the galaxy. Any further requisition from my arsenal will have to be earned. But I... After each Grand Master's report, you can spend your requisition to unlock and upgrade armor slots. Okay. The resource slot gives you access to the new knight reinforcements
servitors, grimoires, and other resources at the end of a mission. Okay. You can only unlock or upgrade each slot once per report. Slot upgrades increase your chance of accessing more and better equipment and resources. D'accord. Donc je suis obligé, après ça rend toujours. Réquisition d'armes de corps à corps, réquisition d'armure, réquisition d'équipement. Je sais pas si on peut avoir de meilleures grenades. Mais moi ça me chauffe. Je crois qu'on pourrait faire ça. Confirme. Extraction de graines débloquées. Au sein de la dépouille, j'ai trouvé une graine psychiquement infusée. Il s'agit d'un genre d'un germe d'une ancienne puissance désormais corrompue par une résonance psychique maléfique. Cette graine semble liée à la propagation de cette éclosion, mais elle a été endommagée par la dégénérescence du Scrofulux. Il va me falloir extraire l'une de ces graines psychiques d'une créature encore vivante. Ouais, on va lui parler. Let's go. We both have work to do. What do you need? It is not so simple. Par simple contact direct, ma théorie est qu'elle émette une sorte de champ psychique qui canalise la propagation. I need the seeds intact for further study. L'excès de zèle en collectant l'échantillon. J'ai besoin de ces graines soient intactes pour pouvoir les étudier plus avant. Non, on a juste pulvère la plupart d'entre eux à coups de grenade, tout va bien. Et il y en a aussi qui s'est fait gentiment et aimablement désintégrer à 2 mètres de distance au bolter lourd. Je vois pas encore on a fait du zèle, non. If we must. The Grey Knights and Inquisition have worked together since the earliest days of our orders. OK. D'accord. We each have our own role to play as partners. Yes. Partners in my mission. Okay. Know that I will not sacrifice your men unless the need is great. Ok, bon bah c'est tout pour le moment. Yes, you've taken enough of my time. Menu de recherche. Je vais faire des recherches. Opération du champ warp. C'est quoi ce truc? La peste encercle les mondes. On contamine avec des miasmes d'énergie psychique. Qui contrecarrent toute intervention depuis leur orbite. Mais en l'analysant en profondeur, je pense pouvoir pénétrer ce bouclier et projeter mes pouvoirs psychiques sur le champ de bataille. C'est rigolo ça. Et ça me donnerait plus 1 de réquisition. Ça, le système de stratagème est imprévisible, débloqué. Ça m'ouvre des possibilités cosmiques. Ça me donne plus 1 de réquisition. Combien de temps pour ça? 20 jours. 30 jours. On va s'ouvrir, s'ouvrir le champ des possibles. C'est parti. Parler à Hector. Ouais, faut que je cause à tout le monde, quoi, c'est ça. Commander, let us be efficient. An unclean, organic thing fouling my ship. I must attend to repairs. Alors. On peut améliorer le réacteur à plasma. Ok. Mais on peut aussi réparer ça. En seulement 9 jours. Ce qui me paraît très ok. Allons causer avec Hector. Do you seek wisdom, Commander? Que pensez-vous de la réaction du grand maître Kai à propos de notre inquisitrice? Elles sont bien maigres, les lucubrations cryptiques d'un astropathe et une poignée de scrofuleux. Le culte de Caedium avait semé mort et destruction à travers 12 mondes ruches et 3 secteurs avant que nous l'éliminions. Et cette graine qu'elle a découvert. Talismans as catalysts for corruption are scarcely a novelty to us Knights of Titan. Ok. The Grand Master will weigh our value to this campaign. Perhaps there's some piece to this puzzle we do not yet see. We are the hammer. Ouais, j'ai encore des choses à te dire. You seek wisdom, Commander.
I am no ancient. All tech priests are eccentric in their own way. There is no being I trust more to look after the Baleful Edict. Her competence is beyond question. Ok. Pour fracasser son unité de maniaque en millions de fragments, sa compétence ne saurait être remise en cause. Seigneur Drago. Ancient, yes, assuredly. We are the hammer. On peut aller faire de la guéguerre maintenant. Plus 4 de capacité, plus un rang recru. Projet du vaisseau terminé, quartier 1. Ah oui, je peux avoir un gars en plus. Alors par contre, plus 4 capacités. Ah non, je peux avoir 4 gars en plus et ils arriveront tous d'un niveau supplémentaire, ok. Mais ça y est, j'ai déjà choisi, pourquoi tu me... Déjà choisi. On peut reprendre notre petite guerre. On peut avancer le temps vite fait, un tour, voilà. Lance un nouveau projet. Très bien. Et donc on me suggère d'améliorer ceci. De toute façon, vu le nombre de serviteurs que j'ai, j'ai envie de dire let's go. Let's go. We have restored functionality to the Augurium, and when prognosticators are attuned to a system, they will extend the mission timer in all adjacent systems. Plus 3, ok. Ok, tu veux que je clique sur quoi? Tu veux que je clique sur ça? Ok. Je sais pas, c'est efficace cette idée ou c'est une idée de con? Bon, on verra bien. Est-ce qu'on peut aller faire la bagarre? Je veux de la bagarre. Il n'y a plus aucune mission de rien? Jamais? Délai détecté pour les missions, délai de mission de l'éclosion, machin. Retour, y a rien. Y a rien, c'est genre merci, au revoir, à la prochaine. Bon bah, avance du temps. Hein. Prochain d'éclosion détecté. 3 nouvelles missions, nos cœurs de pronostic ont détecté 3 nouvelles zones d'activité d'éclosion. Nous avons prévenu Titan, nous devons user de tous les moyens à notre disposition pour stopper ces incursions. Ok. Donc. Idéalement, essayer d'aller taper celles qui sont à proxy. Accès à l'arsenal. Sticker de grade 3. Armure Terminator de niveau 1. Glorious deeds are optional objectives that add risk to a mission, but grant requisition rewards on success. You must choose whether to accept before beginning the mission. Ah, c'est le fameux. Ok, si je. Ok, ça c'est l'acte normal, et si je suis glorieux, renfort, j'aurai un Justicard de grade 3. Une armure Terminator de niveau 1 et un accessoire de niveau 1. Très bien. Réquisition et on aura plus 3 en réquisition. Donc, la logique voudrait que j'enlève mon gars. Certes, mais comment je peux te retirer? On va commencer la mission. Ok, bon, je sélectionne, confirmer. Ouais, non, je veux bien que j'ai 4 chevaliers, mais comment j'en enlève un?
Ouais, super, super, super. Ouais, ouais, bah je voudrais bien en enlever un. Hein. Jure, hein, je voudrais bien. Mais quand tu me demandes un truc comme ça, j'ai presque envie de te dire, mets-moi un tuto, con, parce que je sais pas comment je l'enlève. Retirer de l'escouade. C'était écrit en gros dessus. Bon, après j'avoue j'ai pas trop regardé, je crois qu'il faut juste massacrer tout le monde, mais j'ai pas trop regardé ce qu'il fallait faire. Utilisé par les Great Knights pour activer leurs compétences. Ok. Donc ok, aussi basique que je suppose que un de volonté égale une utilisation quoi, de pouvoir. Basique, simple. Roulement de tambour, c'est bon, on peut continuer. J'ai même pas fait gaffe. Fais même plus attention. The Ultramarines appear to have been holding this ground until a recent Death Guard assault. Curious. I would not have expected Nurgle to use direct force to lay the groundwork for the Bloom. Yes. The Plague Lord's methods are generally more indirect. Perhaps this skirmish held some other purpose. Commander, your brethren must recover one of these seeds from a living host. I have trained your warriors to focus their senses. If they perform a precision strike in hand-to-hand combat, they should be able to locate and extract any seed present within the foe. Ah, va falloir négocier avec le mal. Oh, c'est embêtant ça. On bourg. On n'a pas le temps, comme d'hab. Traité au Nurglax 3000. I see the foe. There it is. Commander, harvest the seed from that creature's flesh. Oh, mais d'accord, j'ai bien compris l'idée. Pas de problème. Mais alors, est-ce que je peux lancer? On peut commencer par une petite grenade. Parce que moi, vraiment, si on peut commencer ma journée par... Ah, je peux pas. Je suis trop loin. Je vais me placer là. Moving now. Et on va commencer notre journée avec une petite grenade. Voilà. Ça, c'est mon cadeau. Voilà. On va pouvoir la récupérer, ta graine. T'inquiète. Yes, sir. More horrors invade our realm. Ouais. It will be done. Oh, t'es lourdeau, mon pote. Attention, ça fait des rayures. Ouais, je pense que on va commencer à monter, parce que je crois pas que j'ai besoin de deux gars en bas. Mais trois gars en bas. Un seul va suffire pour exterminer le nabo là. Du ciblage. Change de crit, machin, tout ce qu'on veut. Mais je... Ouais. 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 Frappe en force, ça fait que je vais cibler, c'est ça? Non, ça va juste me le one-shot. Comment je... Pourquoi je peux pas faire une frappe précise avec lui? Praise the Emperor. Et toi, tu peux pas y aller. Ah si, avec une petite TP, tu peux y aller. Alors non, en fait, je vais te TP du côté qui m'arrange le plus, plutôt là. With alacrity. Je sais pas, bah, frappe en force du coup. Ouais, c'est ça, je mets ta graine, donc je suppose que... Enfin, je sais pas. Fallait faire une frappe en force. My commendations to that knight. Return with that seed as soon as you can. Tout s'est très bien passé.
Je peux me TP en hauteur ou pas? Ah oui, je peux me TP en hauteur. In an instant. I stand. Knights! Enemy sighted. Je peux passer par là. Hein, je peux passer par là pour discuter avec vous. Très bien. Est-ce que je peux pas juste grenade comme un gros. Voilà, comme un. Hein, comme un mec comme moi, tu vois. Je peux pas. Ah merde. Je ne peux. Est-ce que je l'aurais pas? Moving now. Hein? Non, non, attends, laisse-nous rigoler un peu. Petite grenade. C'est beaucoup trop les grenades. Tout peut se régler avec une bonne grenade. Et où? Taste to death. Ouais, je peux envie de te dire court. Je vais utiliser 2 PA pour venir jusque là. Elle a tellement subi. Je peux le tirer l'autre? Je peux pas hein. Ouais mais il peut sauter par dessus s'il en a envie. Bon mets-toi comme ça. Confirme. Ils vont Yes. Oh la peinture. Tu sais combien ça coûte une bonne peinture d'armure? Eh mais ils sont deux tous ces gros bâtards. Ah troisième foyer, donc il va falloir commencer à bouger dessus. Ok. Passe à 45%. Très bien. Ok. At your command. Je peux tirer là-dessus? Pas vraiment. Donc si je me TP là. Ah, je peux pas me TP parce que j'ai pas la vision, c'est ça? With alacrity. Coucou. Tu veux voir ma lame? Vengeance! Justice! Yes, sir! I aim true! C'est terrible à quel point Nurgle les a castrés quoi. Oh là là, par contre, puissance de se lancer de greux. Est-ce qu'on peut pas, genre, un peu plus? Genre. Ah non, j'en aurais de toute façon, j'en aurais que 3. Vas-y, let's go. Confirme. Oh, for the Emperor. Quoi, il faut que j'aille récupérer un spécimen sur lui aussi là? Attends. Viens remporter la mission avec sa propre chevalier. Non, on s'en fout, je peux le dégommer. Je suis pas obligé d'aller le négocier au corps à corps. Et du coup, je suppose que tu peux me tirer celui-là, voilà, comme un lapin. Non, tu peux pas? Parce que là où je suis, en fait, d'accord, le décor m'empêche de tirer. Ça, c'est quand même spécial. C'est quand même. On pourra passer par là, ouais, visiblement. Oui. Moving out. Yeah!
even a scratch. You will bleed! Less than nothing. Well done, my brother. However, the late god's minions converge on your location. Hold your ground until the Dominus teleport you from the surface. Hey, ça me deux portails directs. Another one down. Alors j'ai pas vu ce que ça voulait faire. Ouais, pas si vite, j'ai vu. I sense the enemy converging. Ok, ça invoque des mecs. À trois mecs quand même, hein. Quand même. Ça m'invoque littéralement deux escouades supplémentaires. Alors qu'on est qu'à 50%. C'est un petit peu dégueulasse. Est-ce que toi tu peux me shooter lui là? Ok, donc l'autre en fait m'a mis sous son feu ennemi. De merde. C'est ça son projet. Il va falloir que je bouge parce que sinon les autres derrière ils vont arriver, ils vont nous soulever. Je me place comment? Grande question. Comment je me place? Il faudrait que je limite des gars, mais j'ai plus de vie. Et j'ai pas mon médecin dans mon crew. On my way. Je peux le tirer, hein? Vraiment? Enfin, je ne ferai rien. Ok, faut que je fasse quelque chose, faut que je tire sur un mec qui est juste à proxy. Et sinon, toi, ça donne quoi? Je me descendrai à deux. Je vais t'entamer, vas-y. Je vais t'entamer avec l'autre chevalier. Ah mais on pouvait passer par le centre, d'accord. Down. Enemy down. Ok. Donc, je suppose qu'il faut que j'élimine tout le monde là maintenant. Tenir jusqu'à l'extraction pendant deux tours. Ah oui, donc je suis obligé de taper une pleine grenasse, un bon petit pic de problématique. Alors j'ai un chevalier qui tape assez fort avec son fauchon, mais... Le problème c'est que les ennemis de l'Empereur, ils les ont fait quand même, pour des nullos, ils les ont fait quand même très très fort. Je peux genre me téléporter là. Heureusement que j'ai une mobilité de dingue avec lui maintenant. Mais je crois que c'est fini quand même. Je peux shooter quelqu'un? Aucune chance. As ordered. Quoi? Il y a encore une éclose. Ça c'est la merde. With alacrity. Oh,
Oh, y'a plus personne qui est gros dans mon équipe, c'est terrible. Ah, je vais me prendre une attaque de proxy si je fais ça. Ah, je vais prendre une attaque d'opportunité de celui-là. C'est marrant ça. Ça me prendra deux paires de faire ça. Moi je veux juste. Face me! I am the Emperor's Fury! Down! Glory to Zyphos! Vengeance! Ouais, par contre, avant ça les pattes. Yes. Je vais prendre une sauce de dingue là. Barely a scratch. Teleport coordinates locked. Initiating sequence. Commander, I sense a massive spike in warp activity below. It is a warp surge, Inquisitor. Such events are common in pit battles between ciphers. And yet your brothers have clearly restrained their powers. Something foul is at work below. Ah, et c'est une victoire. Bon bah d'accord. Ok. Près de faire plusieurs jours pour se rétablir, hein, mais pouvez néanmoins les envoyer en mission avec une pénalité de PV max. Ah bah j'en ai un qui a morflé, il va pas être prêt tout de suite, je crois. Hein. Il est pas frais le mec. Il est pas frais, il est pas prêt. Et il est pas prêt d'être frais. Donc vous m'avez compris. Et donc la chose. Unspent requisition can be used after future mission. Une armure. Or at the next Grandmaster's report. Autosens, amélioration niveau 1, passif, ce chevalier gagne plus de dégâts critiques pour ses armes de tir. Oh. Ouais mais j'ai le droit qu'à un équipement sur Omega. Pas à deux. Et je vais choisir le. Choisir plusieurs. On prend tout. Critically wounded knights will survive their injuries as long as they have at least one resilience remaining. They will be restored to active duty once they have recovered in the apothecarium. Okay. You serve the Emperor well, Commander. We should study this seed at once. Everything rests on what we might learn from it. Ouais mais il reste combien 4 jours là-dessus. Bah on attendra que ça se finisse hein. De toute façon je vais te dire on va retourner au combat là. Et là on arrive dans combien? Ah ce sera mort, ce sera cuit, ce sera terminé. Merde. C'est une nouvelle recherche, donc du coup on va lancer ça, la graine. Tout. Reste un jour. Ok, ici. Nouveau proche. Ça s'est installé. La version 2, ça fait quoi? Pour augmenter la puissance en réparant les bobines à plasma du réacteur qui pourra alors traiter un nuage de plasma plus dense sans risque de réaction en chaîne catastrophique. Ça nous aura aussi tout un éventail de projets de reconstruction. Il me faut 16 bières, j'en ai pile 16. Je pense que c'est un signe du destin. Les boucliers du Void sont à peine opérationnels.
Ok. Et ça, l'armement souffre d'un défaut d'alignement et d'une précision bien inférieure aux standards habituels. Elles ne sont pas employées dans nos missions de surface, mais elles sont essentielles lors de confrontations contre d'autres vaisseaux. Je recommande un recalibrage complet. Oui, oui, oui. Baie mécanique. Coque restaurée au maximum. Nous devons terminer toutes les autres opérations de construction avant de pouvoir débuter ce projet. Oh. On dit des choses. Pour le personnel, chambre de méditation. On gagne plus d'XP. Oh. Communier avec les déchus. Sans complexe de préservation fonctionnelle, nous n'avons pas d'autre choix que de récolter le génogerme des chevaliers dont les blessures dépassent les limites de l'apothécarium. La chambre de stase leur permettra d'être isolée jusqu'à ce que nos frères puissent profiter de leur sagesse. D'accord. Pronosticar. Le sentencieux a le rare privilège de posséder son propre cœur des pronosticars. Le commandant Agravin estimait que ce n'était... C'était l'un des outils les plus puissants du vaisseau, mais il faudra beaucoup d'efforts pour lui rendre sa pleine capacité. Oui, je suis assez d'accord. Je suis assez raccord avec cette idée. Il me reste plus qu'à subir les effets et avancer le temps. Et attendre que ça se passe. Intervention requise. It approaches, Commander. Our day of meditation. What are you on about, Ektar? Stoic contemplation fortifies the soul, Inquisitor. This is a tradition upheld by our previous commander, Agrava... Am I hearing you exactly right? Are you proposing to take the day off? nous devons respecter les drogués. C'est plutôt un banquet pour honorer l'empereur. Vous perdez deux de réquisition. Nous ne pouvons pas perdre de temps. Excellent. On va prendre notre temps. Hectare, zélé, 30 jours, 50% de taux de croissance. De taux de croissance d'XP, ok. 50% de la vitesse de recherche. Ah. Bon bah, let's go. Pendant 30 jours. 30 jours de congé. On s'est pris un mois de congé. Et avec le solde en plus, hein, la totale. Hein. On détectait 3 présences de nouvelles éclosions à la con. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir les informations intermédiaires sans perdre 20 points de dégâts. Ok. Ici les infos c'est quoi? Il mettait 8 ennemis avec une arme de tir. Ok. Ah, ils sont okay. Plus 1 les mecs. Hein. Non. C'est pas ce que j'ai demandé. Non. Voilà. Emporter la mission sans utiliser de volonté. Ça c'est Zimamen. Le plus dangereux, ça m'a l'air d'être celui-là. Et donc, j'ai bien envie d'aller caquer celui-là. Est-ce qu'ils sont à plus 1 ici? C'est quoi ça? Plus 1, bonus de résistance. On sait pas. On sait pas et on le saura sûrement jamais. Éliminer 8 ennemis avec une arme de tir, ok. Ouais, je suis d'accord. Échec de hack moins 1 de réquisition, on va dégommer des gens au tir. Ah oui, alors du coup, pas la grenade. C'est quoi l'histoire? Il y a les cadeaux là? Attendez. Pourquoi tout est figé? Allô? Allô? Select this slot to load. Ah, sélectionnez le stratagème, d'accord. Later, you will gain access to additional slots. For now, you have only one stratagem available. Select Quicksilver. D'accord. Bah, vas-y. On va avoir un deuxième truc ou pas? Non. J'ai un stratagème actif de type... Ah mais non, je peux le placer qu'une seule fois, d'accord. Retour, ok. Bah, j'ai un stratagème actif. On peut choisir des chevaliers, s'il vous plaît.
Donc j'ai un gars qui est marre. Normalement j'ai récupéré voilà, un justiciaire de niveau 3. Avec des très gros arguments normalement. Ok d'accord, personnalisation, on s'en cogne un peu. Et solide sur ses appuis, Garen. Il est équipé d'une hallebarde toute pourrie. Mais vire-moi ça. Fais-moi ça tout de suite, monsieur. Est-ce qu'on peut vous mettre une hallebarde au moins qui a des. Voilà, qui a des arguments, s'il vous plaît. Ah, elle est équipée sur. Attends, j'ai qu'une seule hallebarde. Non. On va trouver une épée de force alors. Ou tes bonus sont forcément à la hallebarde. Ce que t'as. Et la grenade frag évidemment. Emplacement d'équipement, grenade, cerveau crâne, machin, des accessoires, on en a deux. Et si je te le mets, c'est forcément genre à la place de la grenade. Et ouais. Et ouais, ouais. Après, là, exceptionnellement, on peut le mettre. Parce que ça nous arrange un peu. Ce que j'aimerais voir, c'est du coup tes compétences, mon boy. Je peux te mettre une armure de Terminator. Inébranlable ? Inébranlable ? Oh, il a tellement d'arguments ce garçon ! C'est impressionnant ! Impressionnant d'argumentation ! J'aime ce qu'il me dit. Et pourtant, il ne dit pas un mot. Ce qui est encore plus impressionnant. Ah oui, en plus, c'est tout en tankage, quoi. Ok. C'est un mec du tanking, quoi. Une explosion dans un rayon. C'est en effectuer des attaques de corps à corps sur la source d'affliction. En plus un rayon. Ah oui d'ailleurs j'avais oublié que mon gars il avait un. Bon bref. J'ai oublié des choses. Compétences. Il monte de niveau. C'est-à-dire qu'il peut porter l'armure Terminator. Plus un d'armure. C'est acquis. Confirmer la promotion. Ce qui veut dire que dans ton équipement, mon petit pote, on passe sur une armure Terminator. Voilà. Ah. Les armures de puissance, c'est juste de la merde. Ils arrivent à nous faire bobo avec leurs petites balles, les troufions locaux, donc c'est pas possible. Il me faut un gadget ici. Pourquoi j'ai une légion de justiciars de justicards là, c'est quoi le projet? Moi ça me dérange pas, hein, mais il y a un purgator qui traîne. Artaceptor, j'en ai déjà un. Les gars, j'ai un problème. Hein. Ah, mon apothicaire. Ok, bon. Et donc mon apothicaire, et bah mon apothicaire de toute façon pour l'instant il a pas bougé de niveau. Et ben commencez la mission. Faut retirer dans le temps. Déjà j'ai deux armures Terminator, ça commence à faire plaisir. Après mon choix était un peu stupide, j'aurais dû envoyer une chance de se déclencher automatiquement si les conditions sont remplies. Ouais, j'aurais dû envoyer que des mecs avec des bolters quoi en fait. Mais bon, on aime bien les classicos. Let's go les classicos. Planet classification, Forge World. However, all archival data has been excised. Scans suggest a mass orbital bombardment has occurred. Even in the broken husk of Exterminatus, our enemy has a cruel wit indeed. We must return his jest with fire and vengeance. Okay. Ah. Par part. Je check le temps, parce que je vais pas me faire avoir par le temps. On est bon dans les temps.
Trouver des... non, c'est ce que je veux. Trouver des fumiers. Et, des fumiers, bon, je pense qu'on devrait en trouver par là. Hein. Il y en a par ici, visiblement. Il y a l'air d'y avoir un truc par là. Ah, c'est... C'est bien infecté, hein. C'est... Oh, on va passer dans le milieu, hein. On va voir comment ça va se passer, hein. Alors, voyez-vous, je regrette l'absence d'un lance-flamme dans mon équipe. J'ai des regrets. Je m'en doutais un peu qu'il allait y avoir des trucs ici. Moving now. Trop con, il a sauté par-dessus la pustule. Moving out. J'envoie la petite carte en premier. Onward, brothers! Let's go. Il se bouge tellement vite, la petite carte. C'est bon, vous êtes pas mauvais, boy, là. Strike for the chapter! This will be illuminating, Commander. Elle peut désormais m'aider en orbite. What do you advise, Commander? Oui, alors certes. Mais est-ce que j'ai envie d'en mettre deux sur lui là? Plutôt en mettre deux sur lui parce que lui il a le bonus au tir. Il a le bonus pour le tir. Donc je vais l'envoyer là sur place. Pourtant là une grenade c'est tellement tentant. Si tentant une grenade là. Boum. En plus tu peux tirer sur tout le monde, c'est formidable. You have been judged. Si bien je suis... Vous pouvez transférer toute l'armure de ce chevalier pendant un tour. Ignore les couverts. Et... Cibler une ligne explosive. 3 mètres. Une distance de... Attends, j'ai rien compris. Oui, je fais une explosion psychotechnique. Par contre, quoi de VL? Ah oui, ça me bouffe 2 de volonté de faire ça. Il me reste combien de PA? 1. Si je fais ça. Non, il me reste 1 tout court. Je sais pas combien je fais. Ah mais ça inflige enragé. Attaque au corps à corps. Non mais c'est pas ça. En fait, ma question c'est ça. La question elle concerne ce pouvoir. Enragé, je ne sais pas ce que ça fait. Arrêtez de mettre des mots en bleu si on peut pas les check. Bon. On va pas jouer le risque hein. On va tirer. Le tir. Par contre, j'ai débloqué Purge. J'ai fait 5 kills. Définir la destination. Je peux tirer sur lui là? Visiblement, oui. Sur lui aussi? Confirme. Pestiféré, ça lui donne quoi comme bonus? Malédiction, la cible doit toucher, subit 2 dégâts par tour. Ok. D'accord, d'accord. Ah, mais il lui en reste hein, du point d'action. Hein. Ok.
At once. Eh ? Oh, il est censé me rester un point d'action là ? Non, me suis tout fait douiller là ? Il m'a pris 2 points pour faire ça. Au secours. Au secours. Elle peut me reclaquer son stratagème ou pas ? Impossible, c'était claqué une fois, ok. Ok. Il m'a fait gicler quand même 2 points d'armure. Le petit bâtard. C'est mon apothicaire, ouais, parfait. J'ai besoin qu'il passe de niveau un peu. Aye, sir. Ah, mais il est caché derrière un truc. Trop mignon. Coupe-le. Mais non ! Il a pas d'arme de tir, putain. We have purified this place. Voilà, il passera de niveau. C'est tout ce qui compte. J'ai besoin de soigner personne. Idéalement, faudrait cavaler par derrière, voir ce qu'il y a. We strive. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait un truc qui traîne. Un truc qu'on peut pourfendre là-bas. On peut le pourfendre au close. Ça, et ça me chauffe de ouf d'aller voir ce que c'est. Puisque mon apothicaire ne peut faire que du close combat. Il m'envoie là-bas. Là il dégommait le fameux truc en question. Qui me chauffe là. Moving swiftly. Les bolters ils tirent tellement pas loin, c'est une horreur. Et il me reste qu'un point d'action. Vas-y, arrose-le. Ah, psy bol genre en bourre. Vraiment, ça fait beaucoup. Hein. Vas-y. Keep your faith. Keep your faith. Keepez vos fesses. Mais là, mais je pourrais jamais tirer d'ici. C'est ça sur toi ou pas? Ça a pas l'air d'être... Je suis pas convaincu de ce qu'on m'a vendu. Je pense que je suis fermé. Vas-y, je vais prendre là. Gros. Oh, j'ai tellement envie de faire une grenade là-dedans. Je vous jure. Ah, je peux pas ici. Alors là je peux, mais là je peux pas. Genre si je l'avais plus comme ça, je peux pas. Il y a des choses qui me gênent. Ok.
envoyer un mec voyager. Hein. Mais j'adore ça. Hein. Vraiment, il pourrait pas me donner une mission, il faut tuer 75 mecs à la grenade. Là, par contre. Hein. Là, ce serait si ok. Ouais. Soit je me rapproche de l'ennemi, soit je m'en éloigne. Moi, je vais jouer sur l'éloignement. Voilà. Et donc là, ça va ouvrir des brèches de partout. Ils sont pas bien. Le jeu en PLS. Come at me now. Eat this. Alors, je suis perdu, t'es couvert. Spot. Come at me now. They will not see me here. J'ai un petit peu de pression là sur moi. Entravé, ok, pourquoi? Pourquoi? Moving swiftly. Ok, j'ai restauré un de volonté, ok, j'ai pété un truc de Nurgle. Bon. Plutôt bon deal. Ensuite, il va pas falloir trop dormir parce que. Il y a les potes qui prennent une sauce de dingue. Oh, j'ai encore une breu! Dans toute ma spawn, il reste encore une breu. Fait beaucoup trop de bruit. Et voici le silence. Dans un fracas assourdissant. Another force to the Knights of Titan. Et coucou. C'est quand même, je vais avancer le plus loin possible. Là. Oh là, il y a des trucs de Nurgle qui traînent là. Le plancher il a commencé à prendre vie visiblement. Le psy-bolt. Oh, il y en a partout. Il va falloir les nettoyer, hein. Ah, il me faudrait 2 points pour y aller. Ok, c'est pas possible. Même si je tirais, ouais, bah ça va être une vigilance. Hein. Ready to fire. Ah, il y a plus de munitions. Oh le bordel. Weak.
fonce. Ah, ils vont me le fumer, quoi. You will bleed. Does he yet stand? Alors, mec, on surveille un truc. Et un marin du chaos. Bah dis donc. Deux marins du chaos. Bah bien sûr. Avec trois d'armure chacun. Mais attends, c'est la Gatef là. Oh, la mission suicide. Si j'avais su, je serais pour vous. Faut que je libère mon gars. Lui il est encore entravé donc toi d'abord. Ah t'es hors de portée. On ne dit pas ça. Bah vas-y, ça va être lui hein. Vraiment tu dois te faire. Alors avant que tu bouges toi, bah, lui il bouge. TP toi derrière lui. Explique des choses. My focus fails me. Je crois qu'il faut qu'il aille se cacher. Faut qu'il bouge impérativement pour se dissimuler quelque part, genre là, le PV. Est-ce que tu peux aller lui rendre de la life? These wounds will heal. Gratitude. Attends, je peux pas utiliser son sport, son spécial là, son équipement? Non. Oh la rage. Oui, j'ai envie de te dire, tue-moi ce machin là. To the golden throne. Si je fais ça, ça me coûte 1 PA de bouger pour le tuer, normalement il me reste 1 PA. It will be done. Il va falloir les forcer à bouger. Hein. Tire à des distances aussi là, c'est chaud hein. Et on va se retaper une éclosion. Localiser, détruire le rejeton d'éclosion. Il est là en plus hein, donc ouais mais j'y arriverai pas. Cette mission est donc forcément un échec. Non, je voudrais toi comme Marines. Je peux sélectionner un autre Marine s'il vous plaît. Alors déjà oui. Est-ce que je peux envoyer mon crâne soigner un gars? Ok. Ça y va ce gars là. Deux points d'action sur le mec. L'enfer. My wrath is restored, brother.
et tu peux rien shooter. Ok. On va falloir commencer à se déplacer au combat. Ah si, tu peux venir taper ce mec là. As you will. The enemy weakens. Encore une cartouche. C'est relou. C'est relou. I must sanctify my rounds. De volonté, ouais, mais on a plus de volonté ici. Si on est sec, on a plus de balles. Ouais, on a plus de balles ici. Faut recharger. I have sanctified my rounds. Ça me coûte 2 points d'aller jusque là. 2 points aussi. Un point jusque là. Je sais pas si je peux faire quelque chose, on verra. Quelqu'un visiblement. On peut se tirer celui-là. Dans mon mic. We are the hammer. Si je bouge pas, normalement ça le fait. Faudrait que je touche lui. Et là je mets un petit bloc. Bon, j'ai pété sa vigilance. Ok, il fallait pas bouger dans la zone. Hein, c'est deux points pour tabasser un type. Non. Ouais, j'ai envie de dire, vas-y, hein, tire-moi celui-là là. Ammo depleted. Et ouais, non, par contre bouge. Hein. Oui, par contre, bouge ton fiac. Tu veux pas aller super loin par contre. Ça c'est un peu. C'est un peu une déception en sachant que t'as des mecs mais vraiment juste à côté quoi. C'est quand même. Ruin. Advance with impurity. Mais ils sont trop nombreux. Sans parler qu'en fait ils ont une portée. Donc là voilà, lui là-bas, il peut déjà tirer sur un dégât. Ça me paraît compromis. En plus, j'ai plus de charge, c'est ça.
se calmer ce connard là. Merci. Protocole Aegis. Charge de warp, on a pas le choix. On a pas le choix. Parce qu'on a plus de vie. Et je peux aller que jusque là. J'ai des charges. Là, si je demande de tirer. Ok, il n'y a plus aucune charge dans la maison. C'est pas grave. Frappe de force. Élimine-moi ce machin. On va nettoyer quand même tout ce qu'on peut nettoyer. Oui, on va faire coucou à celui-là. Dans son dos. Coucou, salut. Il reste du move. J'ai besoin de le téléporter. Attends, est-ce que j'ai vu le truc chelou? Ah, il est là. Espèce de gueule de Nurgle, il est là. On va quand même se mettre à couvert. Non, non, pas sur la caisse. Derrière la caisse, mec. Il tombe aussi, mais bon, il permet de concentrer des tirs sur lui. None may stay our wrath. Ah, d'accord. Et ce truc est vivant, il attaque. De l'éclosion non plus sur la commode. Combien de PEV? Oh le tarba. Je voudrais que tu viennes ici mais que tu me l'attaques. C'est possible ou pas? Oh ouais. Quoi? Ça lui fait rien si je frappe en force? C'est bizarre. Vengeance! J'aimerais vraiment genre me placer là, vraiment. Pour éviter de me prendre des tirs dans la... Ouais, mais de toute façon, ils pourront tirer à travers son pote. Bon. Vas-y. Et si je fais une frappe en force? Déjà, je peux pas. Ah, mais c'est parce que je peux pas, j'ai plus de... Destination. Ouais, bah... Là-bas, hein. Alors, mets-toi le point d'armure. Le saut, ça. Je pense que bien. On my way. Et bah toi, mon vieux, tu es mort. Ça, j'ai pas compris, ça faisait rien. Une distance de 10 pour infliger enragé. 100% pendant un tour, ignore couverture. Mais c'est sur les ennemis que ça marche, ce truc? Je vois pas de... Oh, il est un peu perdu lui. Attack! Kill them all! Guide me! No! Not while they yet stand! Shoot! At your service. Ok. Reprise du service. Reprise de service.
prise de service. J'ai envie de dire, admettons. Il y a un gars ici. J'ai un gars mais qui est KO. Et les marines sont ultra solides. Ouais bah tant pis. On va prendre la sauce infinie. Dégagement un tireur de là. Je vais prendre tous les tirs des marines, je vais tomber par terre. C'est sûr. Ah oui mais j'ai pas de volonté. My focus fails me. Forcément un sacrifice que je vais faire, mais donc non, faut le rentabiliser quoi. Je vais décharger toute ma volonté. Hein. Alors, j'ai pas besoin, visiblement. No match for the Emperor's chosen. C'est des cadavres qui repopent, mais tous quoi en plus. Ouais non mais chaud là. Faut juste que j'arrive à maintenir mon épéiste un peu plus longtemps. En plus les autres ils ont des mots de dingue là. Normalement je récupère un chevalier. Ah mais ça ressuscite au milieu, genre c'est dans la zone, c'est large hein, la zone, hein. Ça va tranquille. Oh. Infâme. Ah non, il faut le préserver lui. Puis c'est le mec qui tue. Et ils vont me le tomber d'ailleurs avant qu'il puisse terminer le truc quoi. De tirer, t'as zéro cartouche. Est-ce que tu peux venir fracasser ce type? Je me prends un milliard d'attaques d'opportunité. Forcément très intéressant, évidemment.
Taking position. Coucou. Confiant. Comment ça? Est-ce que... Hein? Deux points d'action ou c'est comment? Ouais ouais, tu vois ce type là. Bien vu. Curse it. Cannot focus. Il faut qu'il tienne. Il faut qu'il tienne. Des attaques de tir. Oh, baston. Frappe de force plus possible, évidemment. Taste my fury. Fais-moi ce machin, s'il te plaît. Merci. Surface level bombardment will commence momentarily. Another one down. Oh, j'ai pris si cher sur ma squad. Statistiques de concentration augmentent les chances d'un chevalier de déclencher ses compétences automatiquement et d'infliger des malédictions à ses ennemis. Ah, c'est terrible, donc là j'ai perdu un mec de manière définitive. Je sais pas ce qu'on veut dire, j'ai de la chance d'en avoir perdu qu'un de manière définitive. Parce que franchement, la flopée de type, c'était pas très agréable. C'était pas très courtois, tout ça, tout ça. Mais il m'a récupéré mes 4 gains. Bien ça. Bien sûr, de l'immonde. J'aurais bien plus de dernier. Ah, c'est une amélioration. Sélectionne, c'est sûr. Éclat séraphique niveau 1 passif, ce chevalier gagne plus de 20% en concentration, ce qui augmente ses chances de déclencher les effets automatiques et provoquer des malédictions. Ah, c'est un artefact à double tranchant. Est-ce que je prends un Great Knight, est-ce que ça m'intéresse vraiment? Je sais pas. De la réquisition, mais ouais, je vais prendre un petit quart quand même. Un petit quart de plus, bah ouais, bah oui, bah oui. Ouais, on en a un peu chié, ouais. Il y a une promotion ici. Donc sur toi, si je viens avec plus d'utilisation par tour de chacune de ses compétences auto. Ok. Si je gagne plus d'utilisation de ses compétences auto. On se dit donc à allumer les gens dans le dos. Ce qui n'est pas forcément déconnant. Ah ouais, non. Non, non. Ah, il est temps que tu one-shot les gens, mon pote. Il est temps que tu... Confirme cette promotion, ouais. C'est confirmé. Alors, donc j'ai eu mon méga là. Pourquoi dans les équipés, pourquoi dans ce qui est équipé, on ne voit pas l'équipement qui est sur mon... Ah si, bah si, je la vois, c'est la grenade. Je suis crétin. Pour moi, c'est tellement naturel, la grenade. Genre, c'est normal. Et le mec, il a une grenade. Alors, pourquoi on voit pas qu'il a une grenade? Je veux enlever le... You. Toi. Hop là. Bien que le cerveau-crâne te permet de one-shot les gens. Hein. C'est quand même pas dégueu. Et ça, c'est deux à la volonté max. En fait, le truc, c'est qu'enragé, je sais pas ce que ça fait. J'ai envie de t'équiper ça. Parce que t'as l'air d'être un peu le mage de mon groupe, j'ai envie de dire. Non, c'est compétence. Une armure Aegis. Forteresse, mais c'est pas très intéressant la forteresse, hein. C'est vraiment... C'est vraiment un peu nul, j'ai envie de dire.
Donc ça fait quoi? Cibler. Une explosion dans un rayon de 3. Déjà c'est mal traduit. Hein. C'est cibler un gars. En fait je pense que c'est cibler quelqu'un. Ouais. Ça fait une explosion de 3. D'un rayon de 3 mètres sur une distance de 10 mètres max pour infliger enragé, donc 100% pendant un tour. Enragé, les cibles touchées essaieront d'effectuer des attaques au corps à corps sur la source de l'affliction. Ah, c'est un truc d'aggro. C'est de la merde. C'est de la putain de merde. C'est incroyable à quel point c'est un chier des bulles. C'est vraiment... C'est de la turbo merde. Ça s'afflige du 4 dégâts, ça fait donc passer son arme à 6. Prends une grenade, parce que les grenades déjà c'est beaucoup trop drôle, premièrement. Franchement, on l'aura retenu, on aura retenu que j'ai enlevé les grenades à mes gars, c'était une catastrophe. Non, c'est tout. Faut des grenades, pas de discussion. Ouais, alors bon, on va revenir au quartier parce que là, on défile sur des gens, je sais pas qui c'est en fait. Celui que je veux voir. Là. Justicar. Le purgateur, c'est lui que je veux voir. Arme de corps à corps là-dedans. Pourquoi c'était surligné en jaune? Pourquoi? J'ai gagné un truc incroyable. Mais les marteaux, ça va être incroyable ça, non? On sait pas. Bon, c'est juste un choix du style. Okay. De toute façon, c'est pour les... pour d'autres classes. Oui, il me souligne ça en jaune, là. C'est bizarre, là. Les apothicaires, ok, super, les croisons, les machins, là. J'ai quoi, j'ai gagné, je vois pas ce qui a changé. Ah non, c'est peut-être pour me signifier le fait qu'il a pas, il peut pas transporter d'armes de corps à corps, ok. Et donc, tu utilises la malveillance de machin. Alors, attends, c'est quoi? Il y a une variation, vraiment? Infliger 5 de dégâts. Ça, 4. J'ai l'impression que les armes c'est juste une question de gueule, hein. J'ai l'impression que c'est juste une question de flashen, voilà, selon comment tu veux avoir la dégaine de ton boy. Cibler une attaque de propagation sur un arc de 45 à une distance de 7 et infliger des dégâts à toutes les munitions. Et moi j'utilise un psy canon. Sur l'arc de 30, en distance de 7. Donc lui il est efficace, mais bon, hein, plus courte portée, incinérateur. Oh, un petit lance-flamme, ça on en avait discuté ça. 5% de dégâts contre les cibles démoniaques. Bah oui. Ah oui. Peut-être me faire une petite escouade de mecs en lourd. Et bouclier Storm. Ah oui. Ah, c'est cette classe qui se trimballe en bouclier, d'accord. Ok. Une escouade de purgator, ça vend du rêve. Hein. Putain. Du shield, du lance-flamme, des expurgateurs qui nettoient dans les coins. Ouais, non, ça... Ouais, ils vendent un peu de rêve, les gars. Armure de la puissance de base, toujours pas le droit au Terminator. Mais je pense que dans leur arc, ils vont avoir le droit au Terminator. Sinon, c'est abuse. Et alors là... Non, mais je veux faire un crâne médical, ta mère. On s'en fout des crânes médicaux. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Et là, on discute. Là, on a un mec qui balance des 13 dégâts vanilla. Non. Du 7 de dégâts vanilla. C'est-à-dire, quoi que je fasse, je liquide un gars. Compétence. Tu vas avoir... T'as droit à l'armure, toi, ou pas? Non, ils ont pas le droit à l'armure Terminator. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Purgator. Purgator peut
équipés, les armes de tir psychanon, air purgateur, incinérateur. Les nuits de l'Omnimessie, ce chevalier gagne le double des effets des augmétiques installés du fait des blessures critiques. Oh. Mais c'est propre à celui-là ou c'est toute la classe qui est comme ça? Moi je veux savoir là. Excusez-moi, on perd un peu de temps dans les boys, mais c'est un peu le moment de connaître les boys. Donc ça c'est un purgator, c'est mon purgator, j'ai envie de dire principal, celui-ci. Donc vous m'avez pris un purgator et vous lui avez foutu un gros couteau. Vous êtes des connards, vraiment, c'est incroyable. Tu peux utiliser un sceptre. C'est bizarre ça. On n'est pas habitué. Hein. Ouais, grenade. Type d'armure. Ah donc j'ai gagné une nouvelle armure Terminator plus flash. Attendez, attendez déjà les gars. Attendez. On a une armure Terminator beaucoup plus costaud. Mais toi t'en as déjà une. T'as déjà celle-ci. Mais c'est quoi, si je peux les améliorer? Je comprends pas. Je comprends pas tout. Est-ce que je peux avoir mon deuxième Repurgator Voilà. Voilà. Petite armure, Terminator. Une qui a bien mangé s'il vous plaît. Donc maintenant, donc un purgator de niveau 1, Rugen. C'est quoi? C'est ses compétences qui lui permettent d'aller chercher un bouclier, un truc machin, ou on se moque de moi? J'ai une vague idée. Ok, tu peux utiliser toutes les armes comme l'autre. Ici tu peux utiliser un sceptre en plus, très étrange. On mettrait pas plutôt un marteau. T'as plus un. Alors déjà ton bonus glacial de purgator là. Où est-ce qu'on avait vu ça? Ouais, c'était dans les compétences. Ce chevalier gagne de plus de PV max, plus de volonté max, plus un pour ses dégâts au corps à corps, mais il ne peut pas gagner résilience. C'est-à-dire qu'une fois qu'il tombe, il tombe. C'est un problème. Donc les compétences varient bel et bien d'un gars à un autre. Il y a vraiment cette histoire-là. Donc ça va être dans les armes de corps à corps. Je dois avoir le bouclier quelque part. Pourquoi je l'ai pas sur lui? Pourquoi je le vois pas? Par contre, s'il te plaît, respecte-toi. Prends un marteau de tueur. Merci. Voilà. Un marteau de... Ah si, ça doit être à la place du Bolter, ça doit être dans ses armes de tir. Et pourquoi je peux pas équiper un bouclier Storm? C'est interdit sur cette classe. Indisponible pour cette classe, mais non, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je suppose que c'est pour la classe des justicards qui peuvent... Hop là, excuse-moi. Excusez-moi, j'ai été trop nerveux. Le petit nouveau, là. Voilà, toi par exemple, je suppose qu'à la place de ton arme de tir... Eh ben non, tu peux même pas. Mais la blague... La blague... Garde tes grenades, continue à faire des blagues. Ok, donc... On a pris la max. Ça aura des pop avant que j'arrive. On l'attend. On l'attend quand même. Par contre, j'ai vraiment plus rien. J'ai vraiment tous mes niveaux 1 qui sont. Il me reste plus que des niveaux 1. Tous les autres niveaux sont faits éclataxe. Tous. Lancer un nouveau projet. Excellent. Statue du Vessal. Très bien. Formidable. Projet de niveau 3. 20 serviteurs. Il vous en reste un. Bah.
Bonne journée. Les projets, c'est pas pour tout de suite. Oui, non, mais j'ai bien compris l'idée. Tu veux lancer un projet, je peux pas. Pas assez de serviteurs. Their faith ever remains their aegis, commander. J'ai le plaisir de vous informer que frère d'Aric Tulle a récupéré de ses blessures critiques et peut retourner accomplir son devoir. Son état a nécessité que nous installions l'augmétique renfort de crâne. Le maître apothicaire estime qu'une convalescence de 43 jours sera nécessaire pour qu'il retrouve toutes ses forces. Cette augmétique n'a aucun effet sur les performances du chevalier et n'apparaîtra pas dans ses compétences équipées. Renfort de crâne, aucun effet. Ok. Ouais, tous les trucs machin, ils ont disparu. Super. Bon, on va continuer à se balader, hein. On adore la balade. Ça, c'est mon nombre de serviteurs. Nouvelle activité de l'éclosion. Vas-y, on y va là en direct, hein. La discussion. Je sais même pas ce qu'il y a, mais je veux pas le savoir. C'est sous là, non. Il y a des marines du chaos. Et le niveau de danger est faible avec des marines du chaos. Niveau de corruption 0, ça prend 15%. Ils ont un bonus de résistance et ils infligent des malédictions. D'accord. Prêcheur apostat. Prêcheur apostat de Nurgle est un chef de culte capable de conférer des bienfaits maléfiques à ses alliés. D'accord. Cultiste de Nurgle, pris individuellement, les cultistes de Nurgle n'ont pas de taille contre un Grey Knight, mais ils se déplacent en groupe et sont armés de diverses armes. Le marin de la peste. Ces Astartes corrompus ont voué leur âme au service du dieu du chaos Nurgle, fort de leur repoussante armure énergétique, ballonnée de peste et de corruption. Ils sont très résistants et immunisés contre la douleur. Sale bail. Remporter la mission sans aucune blessure critique. Ok, sans avoir un mec qui tombe par terre. Je vais te dire que c'est un mauvais bail. Hein. Vous engagez à accomplir un acte glorieux durant cette mission. Votre succès sera récompensé d'une réquisition supplémentaire. Mais le grand maître sera mécontent si vous échouez. Le problème, c'est qu'une blessure critique, je sais pas, c'est quoi, c'est ça, un mec qui tombe par terre? Parce que si c'est ça, ok. Si c'est pas ça, pas ok. Hein. On va confirmer ça. Oh là là, vous n'avez plus aucun mec. Yes. Alors, ça formidable, il y a un apothicaire. Moi, j'ai 36 apothicaires. Ah non, d'accord. Non. Pas 36 apothicaires. Le justicard là. Mais il me reste plus rien pour combattre. Pour recruter plus de chevaliers. Un autre apothicaire. Accepté. Mais ça, pourquoi tu me fais recruter que des apothicaires? La tête. Là j'ai déjà deux apothicaires. Non ok, j'ai Dirus, il me faut un autre. Dirus et Elon. Et dans notre équipe, on a notre spécialiste de la téléportation qui a moins 6 PV. Retire-toi de l'escouade pour l'instant. Moins 6, moins 6. Les deux sont à moins 6. Ah. On est pas bien. Hein. Mais je suis censé en avoir 4 là. Cadon. Bah voilà. Parfait. Ah bah t'as pas tes compétences aussi. Armure Terminator, oui. La vitesse de déplacement de la cible touchée réduite de moins 2. Pour infliger entravé. Pas déconnant. Pas déconnant. Et ça ferait quoi? Meilleur chevalier à distance de 1. Gagner plus 2 dégâts critiques lors de l'attaque de corps à corps et de vitesse de déplacement pendant 2 tours. Vitesse warp 2 tours. Ouais.
Restore 5 PV. Ah, tu veux dire que de base tu l'as même pas? Non, c'est une blague que tu me fais, frère. T'es en train de dire que vous n'avez pas tous des healers de base? Vous vous soulevez en fait. Plus 2 de soins. Active pour travailler à la cible, plus 1 point d'action et plus 5 de soins. C'est ok? C'est ok. Confirme. Alors, déjà, commençons par changer ton armure, veux-tu? Tu t'équipes en Terminator. Merci. Tu as des arguments maintenant, mon ami. Félicitations. C'est une arme de corps à corps, ton machin? Ectérium, machin, blablabla. Équipe-moi celui-là. Normalement, est sur personne. Excellent. J'ai équipé en mec Showtime le plus faible de mon crew, c'est ça? Yes. Trop chaud. Pas de compétences à mettre. Pas de compétences à mettre, mais on a peut-être mieux que des armes toutes pourries, quoi. Alors là, j'ai une épée un peu plus mieux. J'ai beaucoup de fauchons. Sceptre, ça sert à quoi? Ça cogne un peu. Activer pour bouger là, cette attaque au corps à corps. Auto-réaction à Aegis. Chevalier a 25% de chance d'activer sa protection à Aegis à la fin de son tour. Ouais. Cette arme a plus 1 de dégâts critiques. 5% de chance de crit. Voilà. Félicitations, chevalier. T'es un magicien. En fait. Lol. Méga lol. Du coup, vu qu'on est dans les proto-tests, hein, moi j'ai envie de te filer la blague là. Enfin, je te file cette blague. Parce que t'as c'est des chances de pourcentage de chance de machin. Enfin, j'ai envie d'avoir de l'humour là. Si, dans tes équipés aussi. Arme de tir, c'est forcément les Bolter Storm. Ah, mais attends, j'ai des Bolter Storm plus mieux aussi. Équipe des Bolter Storm plus mieux. En fait, non, équipe des Bolter Storm de base, on les mettra sur les. On les mettra sur les costauds. Quand même, là, faut quand même pas déconner. Toi t'es niveau 1, toi t'es niveau 2, t'es équipé, toi t'es niveau 1, je t'ai équipé. Toi tu es niveau 3. Il me dit des choses. Effectivement, tu vas partir sur un bolter qui a bien mangé. Bien mangé ton bolter. Dieu. Oh, celui de base, vieux. Pas mieux. Remplacement d'équipement. Accessoire. J'ai qu'un crâne. Et je crois qu'il est déjà équipé. Il est pas équipé. Pourquoi? Il est pas équipé. On voit pas pourquoi il est pas équipé. Ah, parce que c'est du standard dans toutes les troupes. Ah, c'est pas en quantité limitée, c'est en illimité. Oh. Oh. La belle bleue. Ok. Septromancien est niveau 1, niveau 3, niveau 2. Ouais, je vais te mettre un bolter de bras mieux en fait quand même. Je vais quand même lui mettre l'autre aussi. Est-ce que je le conserve en grenade ou je lui mets un médic supplémentaire? Je vais le garder en grenade. Les grenades c'est trop bien. Si vous enlevez les grenades, vous mourrez. Faut garder les grenades. C'est la team médic. Voir le côté positif, hein, ceux qui reviendront, et ben ils gagneront un niveau. Voilà. Enfin, sauf si c'est les médics qui reviennent, il y a une chance qu'ils gagnent pas de niveau. Mais ce qui me déçoit un peu dans le jeu, c'est le fait que on soit sur du tir touché automatique. Et que les échelles de dégâts, genre par exemple tomber sur des Space Marines, on tombe sur des Marines du chaos beaucoup trop facilement. Finalement c'est des mobs un peu plus, mais genre juste un peu plus, c'est pas des sous-boss, ils sont censés être de la puissance d'un Greg Knight. Bon, on est censé leur faire plus mal puisqu'on est ils sont corrompus et qu'on est des spécialistes en anticorruption. Archival data of these coordinates is indecipherable. However, the report from the Augurium is clear. The bloom seeds are below. Our mission is clear. En fait, l'épisode est trop long là.
explique, à Skip, l'épisode est trop long. Et quand je dis qu'un épisode est trop long, c'est qu'il est vraiment déjà trop long. Mais bon, on va dire que c'est la dernière. Hein. C'est quoi les bails? C'est une carte qui s'étend plutôt vers le sud que vers le nord? J'ai tout compris. Par contre, j'ai pas tout compris, mais c'est stylé, hein. Et ouais, donc la cathédrale. Ok, donc on a la caméra dans le mauvais sens, c'est le projet. D'accord. Ok, là ça va être la galère pour passer. Donc en fait, on n'a pas 50 solus. En fait, on est obligé d'aller emprunter le petit pont moisi par là, là, c'est ça? Finalement, la caméra était dans le bon sens. Bon. Moi, je veux bien faire tomber ce machin. Ah oui, d'accord. Ça ne sert à rien. Tirer, je veux bien, mais j'ai quelque chose à porter. Ouais, j'ai un truc à porter. Ah mais il a une armure. Hein. Si je te psybolt. Mais attends, j'ai toutes mes attaques, tous mes trucs. Hein. Excusez-moi, est-ce que je peux changer de... Voilà, un mec qui a une grenade. Merci. C'est toujours plus sympa avec une grenade. 3 pierres pour venir jusque là. Ah. Deux, c'est possible ici. Voilà. Je l'ai dit, hein, garder les grenades, hein, c'est vital. Bon baiser de l'empereur. Non, il est pas mort, mais à droite je t'ai vu, hein. T'as vu la lumière à un moment donné, hein. Je t'ai dit, ah, ça a l'air d'être pour moi ce coup-ci. Je vais utiliser la puissance de frappe pour l'instant. Qu'est-ce qu'il a dit, monsieur, là? Quelqu'un l'info, hein. N'hésite pas à y traduire. C'est quoi, quoi ce machin à cibler là? Ça me tente d'aller voir. C'est pas forcément une bonne idée, j'en ai conscience, mais ça me chauffe d'aller voir. Je vais y voir, faut que je sache. Ça a ignoré mon armure carrément, ce truc. You will bleed. Here's a good spot. Here's commander. Je peux pas. Toi, t'as un truc, explosion psychique, explosion psychique par exemple. Ça fait quoi ça? D'accord, il a pris une hémorragie. Il a un bobo au doigt. Toi, tu sais plus te battre au corps à corps, c'est ça? Officiel? Si? Non? Peut-être? Je sais pas. Sinon, tirer sur ce machin comme un gros débilus. Oui! Ouais, c'est un boss, hein, le truc. Ah, il est à terre. Est-ce qu'on peut aller le... Voilà. Attends, je passe dans la zone de quelqu'un.
ready to serve. Ouais, tu veux pas ouais, genre tirer là-dessus. Là. Taper dessus comme tu veux. Bah c'est l'exécution hein. Mais genre il reste plus que. Ah oui bah oui j'ai lancé une grenade, j'ai tout fait péter. Eh mais toi c'est plus de battre encore à corps, il faut quelqu'un qui sait se battre encore à corps. Toi là. Ah mais tu peux pas l'exécuter, c'est bizarre. Ah si. Oh, oh je t'ai mis mon effet de tir envoyé. Oh. Oh tu nous as mais tous régalé hein. Ouais, viens ici déjà. Aujourd'hui j'ai envoyé mon gars au ponton, j'aurais peut-être pas. Your orders. On the hunt. Aller plus loin, Non, c'est ce que j'ai demandé. Mais c'est gentil d'avoir proposé. Ne peut pas utiliser ses armes de corps à corps. Donc il a plus de cause. Ouais, non, toi je vais te ramener. L'action, je crois. Est-ce que tu peux t'auto-soigner Non. C'est ce que je veux. Ah oui, toi, il te reste une action. Crush them! Là, ça m'a déclenché sa protection Aegis, ok, qu'il se passe quelque chose ou rien. Ça me l'a déclenché comme ça, gratos. Unleash me. Les consommations de grenades sont un peu élevées. Justice!
Sacrifice pour le dieu du sang, succès déverrouillé. Et bah voilà, parfait. Parfait, parfait. Bah moi je te demanderais bien d'aller me... Vas-y, hein, me défoncer, hein, tout simplement. Une bonne grosse charge aux pauses. Ok, bon, il le vit bien. Et là, est-ce que tu le vis toujours bien? Another falls to the Knights of Titan. On va viser ce truc là, hein. On peut rien faire d'autre. 3 sur 3 charges de pistolet, je m'en suis servi donc d'aucune. Ils m'ont dit que les méchants suivants ils étaient. J'ai oublié. Donc, vas-y, on va continuer à progresser. Toi t'as un bobo au doigt, mais bon, globalement ça va. T'as 2 charges. Est-ce que tu peux commencer par discuter avec ce monsieur? Pas venir jusqu'au pouce pour le tuer. Il faut 2 PA pour aller là. Ok, 1 PA c'est ici. Tu vas pas loin. Hein. Tu vas quand même vraiment pas loin. Heureusement qu'il reste rien là, sur le mec. Voilà. Ah, du coup il a rechargé. C'est formidable. Attendez, j'en ai un petit point. Est-ce qu'il serait formidable vu que j'ai des healers? Bah tiens, on remet un healer. Ok. Et mon autre healer. Est-ce que tu peux me remettre celui-là? Ok. Voilà. On va boucher l'accès. Ah ouais, ça marche bien quand même son truc, hein. Je me balance des Aegis, c'est bien chaud. Hein. Dans un PV pour le reste de la mission. Ah ouais, ouais, c'est pas très rigolo. Rugen. Taking position. Il y a un petit saut de caribou. On n'a pas vision sur les. Non, on n'a pas déclenché la vision sur les gens. We are discovered. Ah. Les fameux marins. Quarantaine, parce que les marins de la peste. En effet. A brisé sa vigilance. Si, j'adorerais avoir les mêmes armures qu'eux qui leur permettent tout simplement d'ignorer les coups que je leur impose. Perforation d'armure, non, on s'en fout. Étourdissement, c'est peut-être marrant. On va aller faire. Étourdissement, c'est ce qui est normalement le plus rentable. Enfin, on arrive à le faire. Ouais.
It will be done. Ça pourra bien tout droit. Avançant, stratagème, s'il vous plaît. Voilà. Bon, j'ai 2 points d'action supplémentaires. Your command. Oh ouais, moi je propose que tu lui enfonces bien la tronche, hein, comme un gros tarde. Vas-y, hein. Un bon gros coup de marteau dans la bouche. Voilà. I strike true. Parfait. Eh ben ouais, déplace-toi là. Tu sers bien quoi, comme des débiles. Oh, ça sent vraiment trop bien vos armures de marine. Ça a des armures de terre en fait, hein. C'est-à-dire que vous avez des armures de marine standard, hein. Bon, certes améliorées par Tonton Nurgle, comme on dit dans le milieu. Et vous avez des armures normales et vous avez 3 points d'armure, mais vous en avez un de plus qu'une armure Terminator. Franchement, vous êtes bien servi, hein, les gars. Vous êtes carrément bien servi. Ça se fout pas de la gueule, hein. Croyez-moi bien. Pourquoi? Ah, parce que si je passe là, c'est la merde, c'est ça. Je pense que The unfaithful are here. Ready yourselves. J'ai trouvé les derniers. Dans l'idée, je suppose qu'il me reste un peu. The foe bleeds. Dans l'idée, il doit me rester 0 grenade. Ready to start. En fait, quoi que je fasse avec mes gars, je vais me prendre une sauce. Ce qui est bien vu de leur part. Yes, commander. Une grenade, il me reste rien. Je pense que si je fais une surveillance, pareil, il va me tirer dessus. Hein. Oh, ce coup de marteau, hein. Il m'a fait des choses, hein. Sachez-le. Et je vais mettre un médic. Ah oui, je me demandais c'était quoi la case un peu grisée, mais la case un peu grisée, c'est les moins points de vie. Max. Le regret de plus avoir de grenade, hein, croyez-moi bien. Less than nothing. Minor wounds sustained. Et là, on comprend l'utilité d'avoir un bouclier qui fait que. Ah oui, non, le bouclier. Non, l'épée. L'épée, c'est pas la riposte. Lequel qui avait de la riposte? Je sais même pas. Minor wounds sustained. Faut que je tue tous les porteurs, donc l'urgence syndicale. L'urgence syndicale, c'est lui. C'est lui là. Donc tabasser ce débile là. The seas accounted for, Commander, but there are warp disturbances emerging nearby.
We will begin teleport extraction immediately. I am the Emperor's Fury. Gardien des grains dans un tour, éliminer les porteurs de graines, c'est fait, tenir jusqu'à l'extraction, 3 tours. Une petite armure légiste me ferait gagner un temps fou. Je peux m'auto-heal. Je peux m'auto-heal, on va pas se gêner. J'ai pas une charge de warp. Non, je vois rien. De toute façon, je vois rien. Voilà, ok. Si je tape sur un petit minable. Putain, ils ont tous des armures de dingue! Oh, les chiens de la casse, quoi. Si le toucher inflige moins 2 dégâts avec ses attaques au corps à corps. Non, on va essayer de chercher l'honneur. Tape-le en force, je suis très d'accord. Passer par là. Et si j'allais directement taper dans ce FDP là. Voir si je peux faire briser en fait l'armure. J'aurais peut-être même dû commencer par ça. Oui, mais de toute façon il y avait des mecs au milieu. Quoi? Tu lui as même pas infligé de dégâts? Mais non. Ah ouais, en plus là c'est un duel de mage versus mage. Quel plaisir. Laisse-moi deviner, on va mourir tout court, tous les tours un peu plus, c'est ça? C'est si pété, bordel, vous êtes insupportable. Bon, ça va, ça en a enlevé que deux, mais bon, s'ils le font tous, sale journée. Hein. Ah, c'est ça. S'ils le font tous, c'est chiant. Non, non, encore un autre sorcier de merde en plus. Oh, c'est insupportable. Et deux marines, quoi. Mais vous pouvez pas juste me lâcher genre 4 débilus. Ok. Ouais, bah, let's go, hein. Ouais, de toute façon, j'ai plus de... Étourdissement, mais on désactive le sceptre, inflige saignement. Tour 2. Est-ce que maintenant du coup tu peux me faire l'exécution? Il y en a qui disent que la volonté de l'empereur est incompressible et pourtant ça l'a bien compressé. Hein. Je vais le protéger un peu. Je vais assurer que ça se passe pas trop mal. Donc je peux plus tabasser un type au corps à corps, si. Oui. Confirme en fait. Ah oui, parce que c'est les minos. Ok. Mais c'est pas grave, dégomme les minos. Moving out. Faut faire de la place dans tous les cas. Terminated. Vas-y, cherche pas, faut faire de la place. Tape tout ce que tu peux taper en gagnant un temps fou. J'ai un de méga qui est quand même bien anoché. Destroy, commander.
je voudrais venir plus celui-là. On my way. I must meditate. Ah, c'est la zone de Niasmani là. Ok. Non, c'est juste que je vais me faire taper dessus si je veux faire ça, c'est ça. Ouais. L'homme du pilier. Ça skip. We slay the darkness. Another falls to the knights of Titan. Je peux lui taper direct. Non. Si. Où mon gars. Bon, faut y aller, hein. Faire des points de vie, c'est ça? Oui. Je trouve que vous vous déplacez quand même beaucoup pour des gros nurgles. On va se mettre de faiblesse dans deux tours. Il faut que je tienne encore un tour. Là maintenant tout de suite. Bon, lequel je bulle? C'est ça la question. Il irait bien un Marines, mais vraiment me faire des petits connards, c'est trop un régal. Yes, feel my wrath. Attends, j'en ai pas un qui a justement des histoires de j'attaque en riposte dans le dos des gens. Ouais. Okay, destin glorieux. Pas de compétences auto. Ah non, j'en ai pas spécialement. Ok. Ça t'empêchera pas de venir taper dessus avec une grosse force de tarde. Alors, tiens, en tout cas, que le mec avec le marteau lui filait un bonus de volonté, ça serait pas déconnant. Parce que franchement, tabasse des raies. Keep your faith! Keep your faith! Ok. Mauvaise idée, hein. Recovered. Beginning teleportation. C'est une victoire. Ok, bon bah c'est une victoire. Pénalité de dégâts à distance. Les armes de tir reçoivent des pénalités de dégâts lorsqu'elles sont utilisées pour tirer sur une cible située à plus de la moitié de leur portée. Ouais, on avait remarqué. Hein. Par contre, ce qui est ouf, c'est que les armes impériales, enfin les armes civiles, j'ai presque envie de dire, là, qui font des petits ricochets en cartouche, ça devrait même pas traverser les Terminators, genre, ça devrait faire zéro dégâts plus de la moitié de leur portée, tu vois. Ça,
ça manque d'un peu de réalisme, et donc bah, en même temps on se battrait forcément sur des échelles assez costauds. Mais ouais, en même temps les Great Knights sont capables de nettoyer des flots de larbin quoi. Bah continuer hein, de toute façon. Mais je l'avais même pas sélectionné ce bonus-ci. On va dire, je crois. Grève bénie niveau 1. Ah, pour les Aegis, cool. Hector Crassus, Greg Knight, apothicaire de grade 2. Non, c'est. Mais alors que tu m'envoies des apothicaires. Tu saoules, mec. Bon. Vu l'état de méga, tu saoules peut-être pas tant que ça, mais là, tu saoules. Donc là, on est sur un Justica. Sur un mec dont c'est le mec avec mon bâton, ouais, c'est mon bâtonniste, c'est un magicien, donc c'est un sorcier. Honore le chapitre, choisissez un chevalier à n'importe quelle distance et donc plus un point d'action. C'est pas mal, j'aime le style. Ouais, alors je vais prendre l'armure, ça c'est sûr. Après, je peux lui donner plus 2 PA et activer pour octroyer à la cible plus 2 PA et plus 1 de volonté. C'est 6 grands. Waouh. Il te reste combien de points de compétences, mec? Ah ouais, non, c'est bon, t'en as 2. Confirme la promotion. Pendant 14 jours, les mecs, ils sont HS, quoi. Au secours. Et donc, toi, tu es... Qui es-tu? Qu'est-ce que tu utilises comme matos? Tu es mon martelier. Un mec, j'ai dit, beaucoup de volonté, ce serait une grave bonne idée. Détruisez n'importe quelle partie du corps de la cible en cas de dégâts critiques. Attaque physique à distance. Psychique à distance, ça n'intéresse pas, il me faudrait du close. Déclencher une explosion vulnérable, pas d'étourdissement. Attaque psychique explosive. Ah, ça m'intéresse pas, c'est que des trucs de distance. Ah, les mecs, tu peux les équiper avec des armes de close. Mais ouais, c'est du rechargement, c'est du distance. Fait, je vois que des trucs à chargeur, c'est que du distance quoi. Pff, ça m'intéresse pas. On peut aller chercher ça. C'est dommage, hein, parce qu'un martelier, il vaut le coup. Hein. Ok. Donc j'ai un sacré paquet de gars qui sont HS, comme Jaja. Ouais, c'est cool, ouais. C'est cool. Ouais, super cool. Ouais. Ouais. Je peux rien faire. Hein. Sois bien d'accord. Obtenir un serviteur tous les 10 jours. Ah ouais. On peut l'améliorer comme ça? C'est parti. Ah oui, j'aurais dû le faire. Je me déteste. Et alors là, du coup, j'ai le temps d'en faire un autre. C'est un plus 1 en plus, ça va être ultra dangereux, mortel, danger modéré. Ouais, ouais, c'est un Laven Squad, t'es fou. Modéré, les deux sont modérés en termes de danger. Bah, de toute façon, vous savez quoi? Ceci ne nous regarde plus. Puisque 4 jours, 6 jours, 3 jours, je récupère ces 3 là. Oh, 48 jours, 23 jours, oh, les squads, le groupe est tellement à genoux. Et si je veux m'acheter un gars, c'est un Justicar ce coup-ci. Je vais le récupérer. Il est trop mal, il faut que je le récupère. Ouais, on partira à gauche ou à droite. Voilà. Mais ce sera dans un autre épisode. Je vous remercie, c'était Knarfwank sur Comme d'habitude Gaming, et je vous dis à la prochaine. Ciao.